Puis bonsoir à tous et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur Satisfactory et bienvenue aujourd'hui on se retrouve donc pour la suite après avoir fait donc pas mal de petites bricoles à droite à gauche donc je me suis dit qu'il était temps de faire un petit peu d'exploration. On avait pas mal de crash que nous avions balisé la dernière fois donc juste ici donc 1, 2, 3, 4, 5 voilà et on pouvait globalement tous les faire. Maintenant on peut actuellement tous les faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout le matériel que nous avons à notre disposition, voilà. On va faire ça, ça. Ensuite, on va partir sur les ressources nécessaires. Donc il va nous falloir un peu de béton, mais ça on le prendra sur le chemin. Les tiges en fer, non. On va voir ça, hop, là, tac, 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 tac. Allons-y, un peu de plaque en fer, histoire de pouvoir produire potentiellement... Enfin des plateformes. Et donc crash 53 MW, 3 poutres de béton armé, 4 poutres en acier plus 20 MW, 5 cadres modulaires, 1, 2. Donc faut 10 cadres modulaires. Très bien, allons-y. Allons les chercher. Et ensuite on va voir. Hop là. Hop là. Y'a pas à dire. C'est tellement la vie des Décathlon. C'est incroyable. Hop là, il m'en faut 10. Voilà. Très bien. Ensuite, il me faut... Alors, 53 MW, pour être précis, ça veut dire 2 brûleurs à biomasse. 2 brûleurs à biomasse. Ouais, donc ça va demander un peu de matériel quand même. Hein. Hop là. On n'est vraiment pas obligé d'aller dans les excès. Voilà. Un petit peu. Des câbles, bien sûr. Voilà, pour pouvoir les brancher. Alors un peu de tige aussi. Un stack de tiges, ce sera très bien. Non, les tiges sont derrière. Les tiges sont derrière, elles sont ici. Ah, voilà. Merci. Hop là. Et ensuite, il va me falloir poutre en acier. J'ai mis un conteneur juste au-dessus, histoire de pouvoir être tranquille plus facilement. Donc c'est combien de poutres en acier ? 4 poutres en acier, donc ok, donc on les a déjà. Et du béton armé, il nous fallait combien de béton armé? 3 poutres en béton armé, ok. 3 besoin de pompe plus, voilà, nickel. Et donc nous avons tout, il va nous manquer. Non, nous avons déjà de l'énergie, très bien, parfait. Ok, donc nous sommes partis. Nous allons repasser par là où nous en étions restés la dernière fois. On va faire le sens inverse pour le moment et on va explorer un petit peu comme ça le temps que la plupart des recettes se régénèrent. Voilà, je l'ai pas chopé cette électrolimace. Je l'ai pas chopé. Ah merde, oui, bah oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire. Hop là! Nya! Yep! Ya! Et ya! Voilà. Électrolimace jaune. Très bien. Arachnophobe, 2 secondes. Allez-y, quittez l'écran. Voilà. Je quittais un peu l'écran. Voilà. Parfait. On est bon. Arachnophobe, vous pouvez revenir. Tout simplement. J'aurais dû vous le dire dès le moment où je suis rentré dans la grotte, mais bon, c'est pas grave, grave. Alors, là, ce que nous allons faire, bastonner ce sni. Voilà. Ensuite, nous allons aller là-bas. Alors, hop là. Oh, je manque de béton. Non, je suis un gland. Bon bah je reviens tout de suite. Ok, alors que la musique est en train de péter un câble, hein, bien sûr, parce que sinon ce ne serait pas drôle. Donc, reprenons là où nous en étions restés. Hop là. Donc globalement, ça fait à peu près... Voilà. Allez.
Ah là. Très bien. Des câbles, encore des câbles. Toujours plus de câbles, c'est bien les câbles. Les fils électriques. Bloc de fer renforcé. Ok, ok. Donc, ici, nous devons mettre deux brûleurs de biomasse. Voilà. Tous les deux branchés. Un pylône en commun. On va brancher là. Attends. Ah, c'est chiant. Il faut pas le diviser. Il faut qu'on le divise comme ça. Ça a disjoncté, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà. Premier disque dur récupéré. Hop là. Ça, je récupère. Voilà, très bien. Donc, nous pouvons retirer cette icône-là. Enlever le marqueur. Ensuite, les trois poutres en béton armé dans cette direction. Vous me paraissez bien gros, monsieur. Je ne veux pas vous déranger. Même s'il y a un caillou ASMR à côté, mais bon, après, ça c'est assez anecdotique. Les trois poutres en béton armé, peut-être au-dessus. Il me semble que c'est dans de la végétation un peu plus dense, donc ouais. On s'en rapproche. Ok. Parfait. Donc, là. Voilà. Hop là, très bien. Ensuite, on a une tonne de vis à récupérer dans le coin. Dans la... ça me va. Toujours plus de cadres modulaires, ça c'est bien. Donc moi j'avais pas forcément besoin d'en ramener, mais bon. Fallait le savoir. Partons par là. J'ai pas forcément la prétention de m'assurer qu'on est passé par là, mais qu'on soit passé par là précédemment, mais... En tout cas... Là-bas il y a une électrolimace. Voilà. On va. Hop là. Hop là. Hop là. Ah oui, en plus, on amortit davantage les chocs avec ce... avec les décathlons. Que très bien. Oh, voilà la mobilité que ça donne. Oh, c'est incroyable. Un des meilleurs objets du jeu, hein, très clairement. Très clairement. Ah, arachnophobe, Maribou. Ok, mes excuses, arachnophobe, vous pouvez revenir. Oh, j'en peux plus. Oh, le coup de pression à la popée d'un coup. Aïe aïe aïe, ok, bon bah note à soi-même, il y en aura toujours une ici, j'ai l'impression. Ok. En tout cas, on gagne du temps, hein. On est plus rapide que précédemment. Mira, on avait déjà pas mal exploré le coin. Donc, dans l'absolu, on devrait être assez rapide. Bon, du béton. Dans notre plateforme jusqu'au bout. Bon. Voilà. Ah merde, alors j'ai peut-être envoyé ça dans la colline. Oh merde. C'était un peu trop violent. Une tonne de vis, c'est un peu plus anecdotique maintenant d'avoir des vis, surtout en aussi grande quantité. Ça, ça va être du catérium là-bas, bon. Voilà, un nouveau disque dur, ça en fait 3.
Hop là, bon. C'est tendu, ça c'est bon. Ensuite. Ah oui, donc ça. Enlever le marqueur. Reste deux. Un qui est là-bas, dans cette direction. Allons-y. Si on y trouvait un trajet propice pour y aller. Alors. Tac. Au. Alors. Ici. Il y a de la grosse bestiole, il me semble. Je m'en fous. Je veux ça. Ça. J'ai pris à peu près tous les végétaux du monde. Voilà. Donc. Pas d'autre matériel. Donc là-bas, on avait dit 4 mégawatts, je crois. Donc, ce qu'on va faire, c'est alimentation. Voilà, biomasse. On va y mettre ceci. On va le brancher. Voilà. Donc ça, c'est fait. En poutre, en béton armé, je les ai faites aussi. Hein. Oui, je les ai faites. Ok, donc là, hop là, enlever. Reste un peu plus au sud. Puis après, on reprendra un peu l'exploration. J'ai toujours mes balises avec moi, si jamais. Ce pistolet ne me servira définitivement à rien. Vu que je n'ai absolument rien pour l'utiliser... C'est assez greedy, hein. C'est assez greedy de passer par là. Alors que sur la côte, ça s'était très bien passé la dernière fois. Donc, passons par la côte pour le moment. Récolter une sphère de mercé là-dedans. Je vais pas dire non. Hop là. Ça fera pas de mal. De retirer tous ces artefacts. Cette planète. Alors. Ah merde, il est petit. Bon. Pas grave. Ok. On s'en approche. Ah oui, je m'en rappelle, c'est bon. Je m'en rappelle. Ça va être facile. Là, il y a une croulimace. Je vais la prendre. Que toi. Allez. Oula. Où ça? Là. Allez. Allez. J'en veux plus de ces armes. Dégage. Oh. Bon bah easy. Let's go. Alors là, il va falloir fondation. On tente le jump. Oui, un peu là. Pas être confiant mais ça passe. Je vais ratigner un petit peu mais bon, tout va bien. Ah par contre faut que je fasse gaffe.
parce que c'est la mort. Hein. C'est la mort après, c'est la map, c'est le hors-map. Ok. Et de 5. 5 disques durs, dites-vous bien que c'est déjà 50 minutes. Hein. 50 minutes à poireauter, alors je pense que ça va se faire sur 2 épisodes. Les disques durs après. Et continuons un peu. Allons-y. Allons-y, allons-y. Ce beau caillou. Alors. Ce que nous pouvons faire, c'est choper les électrolimaces. J'ai peur qu'elle soit sincèrement au-dessus. Hein. Ouais, elle est au-dessus, elle est clairement au-dessus, je vais rien pouvoir faire là. Ce truc qui me fait de l'ASMR dans les oreilles, on va le dégager. Sans ma slew. Très bien. Ok. Progressons. Là, il y a une électrolimace jaune, mais je ne pourrais pas la collecter parce qu'elle est entourée de gaz. Donc si je veux pas crever, ça peut être cool. Là, il y en a une jaune, mais elle a pas l'air entourée de gaz. Par contre, à mon avis, c'est la bestiole. En vrai, ça va. Bon. Allons-y. Tech. Très bien. Toujours stylé, hein. Toujours. Alors. Ça, je sais qu'au moins, si j'ai besoin d'arbres, je sais où venir. Effectivement. Oh, bah tiens. Parfait. Un peu de temps à s'ouvrir celui-là, c'est tant mieux pour moi, j'ai envie de dire. Ah aïe, 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 aïe. Je l'ai pas entendu courir à des kilomètres celui-là. D'habitude, on les entend très bien. Oh là là. Ça fait deux fois quand même. C'est quand même honteux. Et je vais pas avoir besoin de bobines, mais ils m'en ont filé beaucoup trop. Hein. Oh, il me faut des vis. Oh, let's go. Voilà. On vide un peu son inventaire. Là-dessus. Bon, c'est 12 vis sur les 2500 que j'ai, mais... J'irai pas crier là-dessus. Ah, retournez-vous, arachnophobe. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. J'ai fui. J'ai fui comme un lâche. Mais je crois que je me rapproche d'une zone que j'aime vraiment pas. Non, elles m'ont pas lâché. Allez. Saloperie. Voilà. Je suis où? Je sais que cette zone-là, je l'aime pas. Je le sais. Donc on va l'éviter actuellement. On va partir vers le nord-ouest. Ah bon? Bon. L'ouest pour le moment. J'ai pas vu de rasu depuis tout à l'heure, c'est je... Ah. Je pose la question de sincèrement d'où il est. Ah, il y a du gaz ici, quelle idée de merde. Voilà, c'est bon.
Écoute-toi. Là, je sais que tu vas pas venir harceler pendant des kilomètres. Très bien. Alors. Allons plutôt par là. Je dirais pas que c'est plus safe, mais ça me rassurera. Hop là. Ok. Là, il y a une bouboule. Il y a des grandes étendues. Et un gros. Au. Voilà, merci. Je pensais avoir perdu mon niveau en torero. J'ai l'impression qu'il y avait un à la charge, donc je vais vite. Breaking news from Earth. Widespread chaos voilà. And mayhem. World president urges all citizens to do their part and harvest alien artifacts. Ok. Un peu là. Un peu là. Ici, est-ce qu'il y aurait des choses intéressantes que je pourrais observer? La boy a l'air d'avoir une... C'est assez joli. Hein. La boy avait l'air d'avoir une ruine. On va voir si on peut pas l'atteindre d'une manière ou d'une autre, hein, simplement. Évidemment. Premier mort. On se calme, on se calme, on se calme. Alors, là pour le moment c'est assez décevant. Je vois rien. Moi ce qui m'intéresse bien évidemment ce sont les disques durs en premier lieu. Bah là où j'étais tout à l'heure, ça y ressemble hein, quand même. Hein. Ça y ressemble vachement. Oui, puisqu'il y a ça, il y avait cette pente-là, là. J'étais là-bas. Bon, hop, on va descendre un coup. Hop là, bonsoir messieurs. Ah bah oui, bon. C'est une bonne journée. C'est ce que j'ai à dire. Alors... Ça flotte ? Ça flotte. Oh. Rien d'intéressant pour le moment. J'ai bien fait en plus de pas aller dans le marais. Hein. Le marais, je déteste cette zone. D'autant plus de nuit. On a beau avoir une nuit un peu à l'américaine. On y voit tout de même pas grand chose. Si je ne peux rien faire. Il n'y a rien. Et ici je vais où? Ah, je vais rejoindre un peu. Alors bonsoir, bonsoir. Voilà. Avançons. C'est vrai que j'aurais pu noter l'entrée de la grotte. Je l'ai pas fait. Bon. La clé et les balises pour le moment c'est pas un succès. Bon après il y a... Une ou deux carcasses qu'on a pu ouvrir instantanément. Bon. J'avoue qu'on peut pas les annoter les carcasses. Donc
Enfin, on peut pas les détecter. Donc c'est un peu du pifomètre à chaque fois. Ok, je suis pas loin. Je suis pas loin de la base où j'étais. On peut repartir un peu sur la droite. Faisons ça. De l'eau. Ce sont des geysers d'eau. Très bien. Là, j'ai quoi? Du quartz. Oh, j'ai du quartz qui est pas loin en vrai. Hein. Chaque fois, ils ont un délai pour popper. C'est à la fois bien. Ça me permet d'explorer. Ça me fait emmerder. Mais en même temps, c'est très mauvais contre les araignées. Je l'admets. Alors. Du quartz, très bien. En vrai, dans l'absolu. Si on a fait le tour, hein. Il se dit de ce petit carré. Une bouboule rose. Très perturbant la couleur, ça. Aou. Là. Il n'y a pas de... Ok. Ok, ok. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de pied à celle-là. Bon. Pourquoi pas. Je redescends un peu sur le... Sur le grand lac. Qui va au centre de la map. De regarder. Ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même des routes. Là, il y a du charbon. Charbon normal. Au niveau du charbon normal. Ça fait pas mal de charbon, surtout avec une source de flotte à côté. Encore une fois, c'est bon. Un bon spot à centrale à charbon. Même si maintenant, j'ai l'impression qu'on a eu 70, il y en a 70. Et spot à centrale à charbon. Oh, ça, c'est discret, ça. Oh, c'est discret. Ça, c'est très discret. Un peu là. Alors, sélectionner icône, hop là. Donc là, on va mettre entrée grotte. Moi, je peux le mettre de moyen, ça, ce genre de truc, c'est pas. Mais c'est un cadre modulaire, d'ailleurs, je peux les virer. Ok. Donc. Retour. Merde, 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 merde. Nine, nine, nine. Un plus. Je suis retombé. J'ai voulu les éviter. J'ai fait le malin. Ouais, l'eau quand même, elle est pas forcément bien faite des fois. Hein. Ouais, 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 ouais. Par contre, là, là, il y a un truc qui a l'air d'être intéressant. Bon, quand, par contre, quand t'es sous l'eau, ça va, mais ouais. L'entre-deux est pas très bien fait. On est clairement pas sur la qualité Subnautica là-dessus. Hein. Je fais beaucoup de comparaisons entre les deux, puisque je sais pas, je trouve... Le concept assez similaire de crafter, même si le principe final des deux est totalement différent. J'aime bien les comparer parce que ça reste de l'exploration d'un monde extraterrestre. L'un est sur dans la mer, l'autre est sur Terre. Mais là où le côté Terre était assez bof sur Subnautica, le côté mer vraiment là sur ce jeu est vraiment mauvais. Cette bestiole là qui fait du bruit. Un bordel pas possible. Là il y a un oiseau. Mais qui est cuit.
Cui-cui. Non. J'ai pas l'impression qu'il y ait de... Oh, je suis sûr. Ouais. J'ai une araignée derrière. C'est bon. Hop là. On va récupérer ça. Parce qu'au final, en vrai, des électrolimaces, on a tellement. C'est une dinguerie. Hein. On a tellement d'électrolimaces par rapport au reste. Que je pense que j'ai pas besoin de scanner en soi pour aller les chercher. Si j'en rate deux, ça va pas être dramatique. On a vraiment un stock suffisamment conséquent pour l'instant. Alors... Ça ressemble à une grotte. Elle est pas très discrète, hein. Mais bon. On va hop là, poser une balise, on va faire pareil. Hop là. Entrée grotte. Proximité moyenne. Pas besoin de changer les couleurs. Juste changer le logo histoire de bien saisir qui est quoi. Merde. Je l'ai pas appliqué, je crois. Donc, je dis entrée grotte. Voilà. Sectionner icône. Hop là, hop là. Appliquer. Parfait. Et là au-dessus, il y a quelque chose. Alors la question c'est, est-ce qu'avec tout ce que j'ai, ça peut suffire? Ouais, j'y crois, hein. Sans tout ça, après j'ai déjà arrêté. Alors, fondation. Voilà. Hop là. Oh my. Bon. Le duel va être compliqué. Oh merde. Il y a du monde. Il y a pas de... Il y a un petit aussi. Là, voilà. Ah. On a foutu pas mal de dégâts. Il a l'air d'être mort. Non. C'était pas le bon. Là, il est mort. En fait, il n'y en avait aucun qui était mort. Ok. Je sais pas combien de miches il leur faut. Faut que je regarde un jour. Le son est en train de partir en couille. Plaque de fer renforcée, très bien. Et donc, en plus de plaque de fer renforcée, cadre modulaire, très bien. Ok, allons-y. Deux moteurs. J'ai quoi sur moi? Pas de quoi faire deux moteurs. Très bien. Ici, on est où? Ok, ok. Donc, hop. C'est un... Crash. Donc. Tac, 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 tac. Donc, c'est deux moteurs. Ah, et 20 mégawatts en plus. Attention, attention, attention. Plus 20 mégawatts. Pas me planter. Voilà, effectivement, j'ai clairement pas ce qu'il faut.
pas plus rapide, hein. Voilà. Parfait. Qu'est-ce qu'on se fait? Est-ce qu'on remonterait pas là-dedans? Histoire de pouvoir remonter un petit peu à la base. Parce que bon, toujours les petites explorations de temps en temps, ça fait du bien. Surtout que bah, on a déjà beaucoup de disques durs au final à faire. Alors c'est pas non plus la quantité plus extraordinaire de votre vie, de ma vie surtout. Mais là je me suis un peu coincé, non? Bon, on va descendre un coup. En situation, faut pas paniquer, hein. Faut pas paniquer, j'ai dit. Techniquement, la suite serait là-bas. Après, je peux faire une méthode extrêmement simple. Ça se résume à faire ça. D'aller jusque là, de faire ceci, de faire ceci. Ok, en même temps, je peux faire ça en forme de rampe. Hein. Même beaucoup plus simple. Un peu là. Essayer d'aller sur l'accès qui est juste à droite. Je vois un artefact en plus. Bon, aussi anecdotique que ce soit, on va y aller. Hop là. Comply. Ok. Oh non, encore, come on. Allez, viens. Hop là. Bar. Allez. Faut être pressé des fois quand même. Hein. Hop là. La population locale. Ah, je pensais que j'avais tué. Mais bon, c'est costaud, hein. Y'a pas à dire. Hop là. Bon, pour le moment, rien de spécial. Mais ce qui est bien, c'est que déjà, on a avancé et on est dans une zone qu'on n'a pas encore explorée. On est au milieu de la map, sur une zone un peu plus en hauteur. Du cuivre dans l'absolu, pourquoi pas. Il me semble qu'on est dans une zone que je n'ai jamais faite. Je l'ai faite cette zone. Non, je suis en train de la faire justement. Non, je l'ai peut-être faite. Oh. En vrai, j'ai décidé que je ferai la zone qui serait en haut. Je reconnais pas bien la zone. Pas forcément dire grand chose, hein, mais. Ah non, c'est juste une texture dégueulasse. Juste une texture absolument dégueulasse. Par où je vais? Parce que c'est sûr, hein, je reconnais pas l'endroit. Je peux passer par là.
Faire une échelle. Technique de l'échelle. À tout moment je me plante, à tout moment je crève, hein, à faire ça si vite. Alors, hop là, voilà, tac. Voilà, là on est sur un nouveau biome. Ah, 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 aïe, aïe, le compteur Gégère, le compteur Gégère, ah. A tout un point qui est radioactif dans le coin. Très bien. Ah ! Décidément. J'ai l'impression que c'est quand même une zone assez risquée. C'est ce que je vais faire, entrer grotte, etc, etc. Hop là, sélectionner une icône. Là. Entrer grotte. Et donc. Progressons, progressons. Encore de la radioactivité. Ah. Ah. Ah oui. Ah oui, mais là c'est un gros gisement radioactif là. On n'est pas sur la même catégorie. Là, alors ça, ne t'as pas même gisement d'uranium dans le coin. C'est. Là, je savais pas du tout qu'il y en avait un ici. On connaissait nullement l'existence. Bon. Pas grave dans l'absolu, mais c'est surprenant. Quand tu te le bouffes de la radioactivité en plein visage. Qu'est-ce que c'est que cette rivière? Il y a du sang coagulé. Je sais pas où je vais, mais j'avance. Oh, mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Mais là, il y a du gaz! Oh! Je détours et des détours. Et je m'en vais sans retour. Pour éviter de mourir de tous les effets naturels possibles, que ce soit l'asphyxie ou la radioactivité dans ce jeu. Électrolimace jaune là, mais il y a de la radioactivité pas loin, donc je m'en fous un peu. Encore une fois, hein, on est sur les prémices des explorations. Hein. On n'est pas un peu de repérage, un peu de c'est pas de mal, mais c'est mais. Ouais. Ah, je suis au-dessus du lac. La base est vraiment pas loin en fait. Là, il y a du gaz. Là, il y a de la roche. En tout genre. Non, c'est peut-être moi. C'est peut-être moi qui ai entendu de la merde. Oh, c'est stylé. Elle est énorme.
Alors celle-là, vu qu'elle est énorme et qu'elle a l'air d'être dans un verre qui ne me rassure en rien. Donc si je peux viser de combiner une de mes phobies avec de la radioactivité. Voilà, ce serait cool. Ah, là-haut. Là-haut, là-haut, là-haut. C'est très bien. Non, c'est bon, c'est pas... Bon, c'est un crasheur quand même, mais... Oh. Ça passe. Ah, bah non. Bah non, bah sûrement pas, c'est un caillou radioactif. Bon, bah, il y a un crash. On voit le ping. Tech. On va mettre crash. Et on va faire attention à la radioactivité. Donc, balise. Logo de crash. Donc, crash. Radioactivité. Ah, voilà. Très bien. Ça suffira pour l'instant. Bon. Ce serait pas temps de retourner à la base. Si. Et Oh. L'électrolyme. Ah. Ah. Ok. A savoir pour l'anecdote que quand vous sautez d'une hauteur mais que vous êtes full life, vous ne mourrez pas. Pour ça que je vous saute comme un imbécile, hein, bien sûr. Je suis totalement conscient des risques. Mais bon, moi ça fait une expérience en moins. Dans le coin, et donc il y a des araignées qui ont l'air plus vénères que celles déjà vénères. Le droit de pas être rassuré quand même des fois. C'est... Voilà. On est parfait. Bon. Et bien voilà un épisode de conclu en plus. Nous avons récupéré beaucoup trop de trucs, beaucoup trop de bordel, hein, vraiment. On a vidé ça, 7 coupons imprimables. Bon, on pourrait les utiliser hein, pratiquement. Ouais, on va faire ça, on va les utiliser. Toute la biomasse de dardeuse que j'ai, enfin de dardeuse et compagnie, là, j'ai 25 sangliers et compagnie. Je la mettrai en ticket, je la ferai en ticket tout simplement. Je vais broyer les 70 tonnes de vis que j'ai aussi. Ça, aucun sens de les garder, ça aussi, je suis finalement dans le luxe pour pouvoir virer tout ça. Le reste, on peut le conserver quand même. Quoique le béton, allez, le béton c'est encore une denrée suffisamment rare. Alors, pour continuer et pour commencer à préparer en haut, les panneaux d'affichage seront essentiels. Fixation électrique murale MK2. Alors, ce serait bien en même temps. Est-ce que ce serait essentiel? Enfin, ils sont plus jolis. Ils sont plus jolis. Mais est-ce que pour le moment, je vais partir sur l'esthétisme, surtout que j'ai rien branché? Oh, pas forcément. Hein. Ah, les fenêtres. Ça me fait déjà que je tombe à 8. Hein. Si je tombe à 8 déjà, dans la catégorie, ça me coûte une blinde, on est déjà bien. Et c'est-à-dire que j'ai une place pour 1. On les convoyeurs sur plafond. Hein. Ouais, faisons ça, les convoyeurs au plafond, ça servira toujours. Hop là! Ok, nickel. Des nouvelles recettes. Ça. Ah là, surtout ça, là. Ça pourrait être utile quand on va reprendre un petit peu les machins. Oh, j'ai 6 disques durs. Bah, c'est parfait, 6 disques durs. 6 disques durs. 5 électrolimaces bleues, 2 électrolimaces jaunes. Un bon paquet de restes aliens. Et bien, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà. Tout ça, c'est en train d'être broyé. Je vous fais à tous de gros bisous et je suis revenu avec plus de cadres modulaires que ce que j'avais ramené. Il y en a 5 fois plus pratiquement. Oh putain. Sur ce, je vous fais tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, zou. Et prochaine fois, je ne sais pas ce qu'on fera, on verra, on va improviser. On va préparer quelque chose, je vous dis ça. Allez, zou.